Coucou les amis, j'espère que ça va bien et que vous êtes prêts à en découdre. Donc, on est parti pour faire un sac à vrac. 22 de long sur 24 de large. Donc ça sera le milieu. Et le haut, il fera 22 par 8 et le bas, il fera 22 par 8. Donc, on aura besoin de tissu filet, ciseaux, pince, pour retourner, stop cordon, un cordon. Et puis, on est parti. Alors, j'ai envie de faire deux couleurs. Une couleur comme ça, d'un côté, et une couleur comme ça, de l'autre. Donc, on les met tous à l'endroit. Tous nos petits coupons. Voilà. Là, c'est pareil. On va en faire deux, donc on va mettre notre gabarit dessus, puis on va couper deux fois. Mais moi, j'ai envie de couper tout en même temps. Voilà, soyons fous. On va voir si ça passe, ça passe, ça passe. On va monter un peu ici. Voilà, donc on prend notre petit gabarit, on le met, on le superpose. Et là, on met de côté. Maintenant, on prend notre filet. Il nous faut deux. Ils peuvent tenir là. Voilà. On met le deuxième, on le met au plus près pour pas trop perdre. Voilà, donc on a coupé nos deux et on a coupé nos quatre. Donc imaginons que le devant, ça c'est des endroits, tout l'endroit il est vers le haut. Vous mettez ici, endroit contre endroit, et là, allez guère. Vous vous pincez endroit contre endroit. On en a fait un. On regarde. Et on continue. Non, on va changer de couleur. La couleur, elle est là. J'utilise des chutes pour vous montrer le principe. Et après, vous pourrez le réaliser seul. Si vous vous trompez, c'est pas grave. Plus vous vous tromperez, mieux ce sera. Voilà. Donc là, on va coudre à 1 cm les deux. Donc, on commence par ici. Donc moi, je vais faire là. On recule un peu. On coupe.
passe de l'autre côté et on fait comme ça les deux. De 1. Voilà, donc les deux sont faits, on a fini nos coutures. Donc on peut passer à la surjeteuse ici. On rabat le dessin vers le haut. Et là, on rabat vers le tissu. Ça, la surjeteuse, c'est bien parce que ça fait une finition. On met, hop, et on va. Ici. Ici. Alors après, donc là, on va prendre une règle et on va s'arrêter à 4 cm. Donc là, hop, on met quatre centimètres et 4 cm. Donc tout ça, on va pas le couper tout de suite. On va mettre des pinces pour pas trop qu'il bouge le filet parce que c'est quand même assez glissant. Vous remettez tout ce que vous voulez. Vous mettez vos coutures vers le bas. Là, c'est pareil. Vous mettez vos coutures vers le haut. Et encore une ici. Et voilà, on va coudre. On va partir. Et là, on coud. Vous voyez, le filet, il est bien un peu.
arrivé au bout. Hop, on tourne, on regarde, c'est pas bon, on revient, on refait. On met un point. Hop, et là, on va aller en ligne droite. Hop, là on lève, on tourne. Là, ça a pas mal bougé. Et là, on va s'arrêter. Un autre repère. Voilà, donc c'est cousu jusqu'à notre repère du haut. Alors, on va pouvoir donner un petit coup de repassage partout. Là c'est vers le haut, là on va vers le haut. Là on plie un petit rebord pour faire un bord de propreté qu'on appelle ça, et ensuite on va sur le tissu d'en bas. On fait un rebord. Hop. Et on va par-dessus l'autre aussi. Bien sûr, on doit. Arriver comme ça. Là, vous mettez bien droit. Et là, on va coudre tout autour. Commencer par celui-là. On commence dans une ouverture, on avance, on recule et on fait tout autour. Tout autour, là on arrive à notre point de départ, on avance, on recule pour fixer. Voilà, là ici on a fait tout autour, et maintenant on va prendre une, on prend deux fois la taille, il est par ici. Quand on a un bout comme ça, on le laisse. On fera après l'ajustement. On prend un et deux et un peu plus. Voilà. On prend un peu plus. On va prendre
prince à Maurice. On va prendre une pince, une épingle à Maurice et on va passer. On passe tout autour. Voilà, une fois qu'on est arrivé de l'autre côté, on tire bien. On les met plus ou moins droit. Ok. Donc là, il faudra brûler le bout, sinon ils ne vont pas arrêter de se défaire. On fait ça maintenant. On va couper un petit peu parce que là ça fait beaucoup à brûler. Et là on fait tout de suite. Voilà. Voilà. On met notre stop cordon, on appuie et on fait rentrer nos deux. Hop. Les deux sont sortis. Là, on écarte bien. Et là, on se dit, hop, ici, on fait un nœud. On serre. On serre très très fort. Et voilà, on retourne. On retourne. Et voici. On a notre nœud ici. Et là, on ferme. Voilà, votre filet à légumes est fait, ou votre sac à vrac. Là, j'ai mis une couleur et deux couleurs. J'espère que vous allez réaliser plein de sacs à vrac, qu'on va utiliser de moins en moins de sacs en plastique, parce que les sacs en plastique qu'ils ont mis pour remplacer les autres, en fait, c'est encore pire, parce que dans la mer, ils sont vraiment en micro, 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 et en fait, on n'arrivera pas à les enlever, ils sont trop petits. Donc, si on utilise ça, eh ben, ça peut, si chacun le fait un petit peu, ça sera déjà du plastique en moins. Hein. Après, ceux qui ne veulent pas, ils ne veulent pas, mais ceux qui veulent le faire, allez-y. Donc voilà, ce tuto est fait pour vous, pour vous aider justement à le réaliser. J'espère que ça vous aidera et je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Bisous!